juge qui a travaillé sur le dossier Petro-Caribéen sorti ordonnance li qui t'a demandé pour suspendre toute instruction dans affaire Petro-Caribéen parce que d'après ça qu'il dit dans ordonnance là pas gain assez de preuves contre personne physique et personne morale pour la justice arriver inculper yo. Dans ce sens, je l'ai renvoyé dossier à la Cour supérieure des comptes avec parlement parce que pas gain assez de preuves et puis profiter de la cour pour sortir arrêt de débat contre toute personnalité qui était cité dans le rapport qui était dressé sous causé Petro-Caribéen. La pour l'actualité, l'épidémie coronavirus n'a pas suspendu faire ravage dans le pays d'Haïti. Côté monde pas suspendu mourir après Justin Pierre qui est ancien directeur ONA, c'est tout par René Sylvestre qui est président Cour de cassation et qui est en même temps président Cour supérieur pouvoir judiciaire. Donc président Cour de cassation, maître René Sylvestre, Jean Sozoulan, il mourit et dans l'hôpital Mibalea. Et bien l'autre point nous pour nous dans l'actualité, unité lutte contre corruption ULCC mandé la banque dans le pays d'Haïti pour geler 260 millions de gourdes pour la famille Boulos, y compris Reginald Boulos, parce que d'après ULCC, il y a un bon genre rapport, il y a un bon genre enquête qui mené sur un série de dossiers qui t'a prouvé à clair Reginald Boulos avec famille t'a participé dans le détournement de fonds, dans la corruption et la malversation d'après ULCC. Donc c'est pour ça que nous allons analyser pour vous, nous allons être branchés, nous allons tourner dans un petit. Mesdames et messieurs, gros salutations à nous tous, c'est un plaisir pour nous. Pour nous présenter une vidéo information ça donc n'a dit merci parce que vous êtes chez nous et n'a dit bienvenue sur à peine connecté non pas c'est Wilson Octavius et plateforme sous lien c'est tout AIC connecté qui est possible tac 509 donc ça perd du temps information a démarré mais avant nous démarrer information nous connaissons toujours gagner un conseil ou bien un proverbe et nous toujours quitter pour ou même pour qu'à méditer sur lui pour qu'à réfléchir donc proverbe nous pour aujourd'hui entendez bien c'est pas l'heure de miner un jour pour un jacaban. Donc, à réfléchir sur lui, à méditer sur lui, et puis, on va jouer quelque chose de bon là-dedans. Et puis, pas oublier toujours, être positif dans tout ce qu'on fait, comme ça, on va faire succès. Donc, ça va être du temps d'avancer d'emblée dans le développement d'informations. On connaît depuis certains temps, il y a une cause du coronavirus qui a fait parler de lui à travers le monde, et Haïti, tout, il n'est pas épargné, et nous avons une troisième vague qui a frappé le pays actuellement, et il n'est pas venu pour nous. Et nous avons une troisième vague qui a frappé le pays d'Haïti, et dernier jour, ça n'a pas porté bonne nouvelle même. Parce que c'est mon qui a mouru et c'est une personnalité tout le monde connaît et qui a mouru avec le coronavirus. Côté récemment, nous avons gagné ancien directeur général ONA, Justin Pierre, lui-même qui était mouru avec le coronavirus. Nous avons gagné aujourd'hui, c'est le président Cour de cassation, M. René Sylvestre, qui est en même temps président CSPJ, qui est Cour supérieur pouvoir judiciaire, lui-même tout, ni succombé avec le coronavirus dans l'hôpital et Mirbalen. Donc, malheureusement, sont mauvaises nouvelles pour le pays. Hein. Côté Cour de cassation, qu'on a pas une présidence. Et nous connaissons tout avant et René Sylvestre mouru, nous connaissons plusieurs autres juges qui étaient soit partis à la retraite dans le Cour, ou du moins deux juges, tout ont forcé pour prendre retraite. Passer sous lit rapidement, c'est causé Boulos, Reginald Boulos, côté ULCC, qui c'est unité lutte contre corruption, lui-même, lui mandé pour la banque geler environ 260 millions de gourdes parmi Boulos, y compris Reginald Boulos, parce que d'après ça, ULCC dit, Reginald Boulos avec famille, il est en détournement de fonds, il est en corruption, donc ULCC est mandé pour la banque geler bien famille Boulos avec Reginald Boulos. Juge qui travaille sous affaire Petro-Caribéen, nous connaissons la Cour supérieure des comptes, qui mette un rapport dehors et sous affaire Petro-Caribéen, et en de rapport ça, il y a un pile de monde, il y a longé de comme quoi, il y a et corruption. Donc, juge qui travaille sous rapport ça, il sorti ordonnance, et dans ordonnance, il demande pour suspendre avec toute instruction et que il renvoie le dossier à la Cour des comptes avec le Parlement, parce que d'après ça, dit dans l'ordonnance, il n'y a pas assez de preuves pour inculper ni personne physique ni personne morale. Donc, le dossier est renvoyé dans la Cour des comptes. Et en dehors de l'instant, il y a une exigence qui est faite avec la Cour supérieure des comptes pour mettre arrêt de libération dehors contre tout individu ou toute personnalité qui a participé dans la corruption dans la question de l'agent Petro-Caribéen. Donc, nous connaissons un fonds qui a été créé qui porte le nom Fonds Petro-Caribéen. Nous connaissons Venezuela, c'est lui-même qui a initié le projet, bien, qui a initié le programme, non? Programme Petro-Caribéen. Donc, eux-mêmes, ils sont grands producteurs de pétrole, si ce n'est pas le troisième producteur de pétrole dans le monde. Là. Donc, là, pour te faciliter une série de pays dans le Caraïbes blanc, incluant Haïti, pour gagner de ressources, pour faire investissement dans le Caraïbes. Donc, ils ont mis des fonds disponibles pour pays ça, et dans le Caraïbes blanc, parmi eux, Haïti. Qui ça fait, on te dit, qui ça te gagne dans la clause. Donc, pays ça, tu as acheté pétrole à un taux référentiel
soit 40% l'argent ou t'as bail directement et l'autre 60% ou t'as est réservé pour faire développement la caillou et vous avez pour remettre li sous 25 ans. Mais dans tout pays qui a utilisé fonds pétro-caribéen, on dit Haïti c'est le premier pays côté et fonds ça li vient tourner en véritable scandale. Bien entendu, le scandale n'est pas commencé depuis le fonds ont existé parce que nous connaissons, moun k'ap dénoncé jodi yo, hier c'est eux même qui étaient au timon les affaires. Donc le gaspillage fonds pétro-caribéen probablement il était là-dedans, c'est ça fait bouchoté obligé fermer, bouchoté boucher pas qu'à dire. Mais son fond, il a commencé à piller depuis en 2008. Je nous connais en 2008, il y a un cyclone qui était passé et le gouvernement préval là avec madame Michel Duvivier Perleux, le sakité et premier ministre. Donc il a décrété en état d'urgence sous pays après cyclone là et c'est le ça, c'est à partir de là, le pral débloquer 197 millions de dollars. Donc pas vraiment gen moun qui gen contrôle, donc pas vraiment gen de entité de institution qui ka retracer ça l'argent ça t'est fait même si c'était en période d'urgence. Donc pas vraiment gen de données qui bail de détails clairs sur utilisation 197 millions de dollars ça et le ça rejoignent conseil de moun jodi an k'ap dénoncer les moun qui t'a pillé qui t'a pillé fond pétro-caribéen mais dans moment eux même pas de parler parce que et on dit bagala c'est dans bouchoté donc bouchoté plein pas de dire rien. Donc c'est après le vin pas au timon des affaires, c'est le ça dénoncer l'autre qui t'a la corruption mais pourtant donc c'est eux même qui t'a dirigé car la tête dans bouche yo pas de dire rien. Donc par la suite t'a vinn dénoncer ça va jamais dénoncer au pas. Donc faut nous dire que à partir de l'avènement de Joseph Michel Martelly sous pouvoir comme président, il a commencé par utiliser et font ça et dans faire une série de projets, une série de programmes en dans pays hein, parce que leur négant ça prival comme président qui quitté pouvoir, il était quitté fonds pétro-caribéen, il était quitté à environ 2 milliards de dollars. Ça veut dire 2 milliards de dollars ça était là. Nous tenons en période post séisme mais pas vraiment gain de investissement qui était fait. L'argent était là abdomé donc c'est sous gouvernement et Joseph Michel Martelly, il était commencé à utiliser fonds hein. Et nous avons rappelé nous plusieurs projets qui étaient engagés dans pays environ 1000 projets et c'est pas trop même qui était engagé dans fonds pétro-caribéen. Faut nous dire tout en pile dans projet ou t'es engagé dans fond pétro-caribéen, c'est de firmes étrangères qui t'es venu faire. Nous rappelons une série de compagnies dominicaines, c'est eux même qui t'a exécuté une série de projets dans le pays parmi gain Estrella et Ofing tant d'autres, c'est eux même qui t'a utilisé l'argent pétro-caribéen pour faire une série de constructions. Et par la suite, t'es venu t'avoir un scandale, un véritable scandale qui éclaté dans gestion fonds pétro-caribéen après et ancien premier ministre la mort qui était pouvoir. Mais avant tout, faut nous dire et en disant pile pays ou du moins pile instance internationale qui était commencé à prendre position quant à gaspillage l'argent pétro-caribéen. Automatiquement Laurent Salvador la mort vient quitter et poste premier ministre là à cause de problèmes politiques qui était gagné donc pour te jouer encore et premier ministre était obligé de démissionner pour Evans Paul devenir remplacer. Donc automatiquement Laurent la mort vient quitter poste premier ministre là censé tout projet que tu avais exécuté, yo, ça c'est campé. Et Evans Paul lui-même, le monté pour le ministre, lui juste continue avec le projet, lui estime qui est plus important. Donc, en pile dans le projet, ça, yo fait fi de yo, ou du moins se négliger, pas de côté trop, pas accorder trop d'importance avec yo. Donc, projet ça, yo, grand pile l'argent que tu as été débloqué pour yo, soit qui dans mes compagnies ou bien qui dans mes de particuliers. Donc, là, ça, ou vu, ouais, projet yo campé. Et pour retracer et fond ça, qui a été débloqué, ça m'a dit, en pile travail, ça m'a dit en pile emergency. Et ça fait après, jeudi, on a une série de projets qui étaient démarrés, qui étaient campés, qui toujours là, dans le même niveau de T1 et 5 ans avant, parce que fonds qui étaient disponibles pour eux, et pas vraiment de monde qui connaît, qui sera là, ça va faire, qui route passer. Donc, on peut aller automatiquement, président Jovenel Moïse, il est venu monter, et président, ou alors un scandale qui éclaté dans le pays, sous question. Pétro-Caribé, ou tout côté passé, c'est côte comme Pétro-Caribé, ou bien je conseille de l'entité qui crée, et sous non Pétro-Caribé, il y a des gens qui font politique sous Pétro-Caribé, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ils mettent rapport au dehors sous question Pétro-Caribé, ils accusent un paquet de monde, ils accusent un paquet de firmes qui sont dans la corruption, dans ce qui est à l'agent Pétro-Caribé, ou du moins qui ont mal utilisé le fonds, ils ont géré. Mais il faut que nous disions tout, sous présidence Michel Joseph Martelly, donc pile bagay qui était réalisé dans fond pétro-caribéen mais qui était qu'a fait plus bagay parce que le regarder République dominicaine les même tous les gain pétro-caribéen la caille et avec fond pétro-caribéen gain de réalisation fait qui plus ou moins ba l'autre image à payer
C'est vrai, c'est pas fond Petro-Caribe qui fait République Dominicaine dans le niveau lié aujourd'hui, hein, parce que son pays qui travaille qui il y a environ 25 ans depuis pas jamais campé, il a travaillé sans prendre souffle pour mettre dans le niveau aujourd'hui. Hein. C'est vrai, on a été les mêmes conseils de projet qui étaient engagés dans le cadre fond Petro-Caribe, hein, mais conseils d'observateurs qui étaient quoi, en plus monde tout était quoi, et il y a plus de bagages qui fait avec l'argent si on était bien géré. Donc son argent qui était évalué à environ 4,2 milliards de dollars, c'est-à-dire sous période. 10 ans 2008-2018, et normalement, donc, les transactions qui fait dans la période ça est estimé à 4,2 milliards de dollars. L'argent fonds Petro-Caribe, bien que moitié de l'argent, il passe dans acheter gaz et pour le fonctionnement pays. Hein. Et on bon la partie encore et dépenser ou bien gaspiller dans les affaires et blackout, balancer de compagnies privées l'argent pour les pays en courant. Tant que je nous connais, ça a fait avec Sogener. Et ça t'est fait avec e-power. Donc toute transaction ça a, c'est en dans l'argent Petro-Caribéen ou t'as fait. Depuis lors, nous avons une série d'initiatives qui prend, une série d'entités, une série d'organisations qui mettent sous pied, qui sont pour la chaleur, qui sont Petro-Caribéen. Et non, l'idée pour quand même pour t'avoir une façon qui vient à récupérer l'argent qui était mal dépensé ou du moins qui était gaspillé. Et ça fait une série de mouvements qui étaient engagés à partir de rapport coût supérieur de compte, qui mettaient dehors et qui ou était une vague protestation dans le pays hein, et contre le président en place qui c'est Jovenel Moïse parce que en pile un acteur qui t'a mobilisé ou bien qui t'a manifesté et pour jouer l'argent Petro-Caribéen estimé c'est présence président Jovenel Moïse qui fait pas qu'un éventuel procès qui fait contre tout le monde qui t'a dépensé ou bien gagoté l'argent Petro-Caribéen. Mais honnêtement nous sommes capables de dire son argent qui gaspille parce que 4,2 milliards de dollars sont période de 10 ans et normalement il gagne et de bagages concrets qui étaient faits dans le pays hein, avec et m'estimer tout si c'était un autre président probablement qui était là ou bien un autre gouvernement qui était là qui t'a utilisé les moyens du bord qui t'a utilisé ressources pays hein, avec l'argent Petro-Caribéen nous connaît grand pile bagaille qui était fait. Bon malheureusement depuis le président Jovenel Moïse monté nous connaît pas ni Petro-Caribéen encore. C'est pas que Haïti pas toujours doué le Venezuela, Haïti toujours doué Venezuela, mais nous connaît grand tension qui existait entre le Venezuela et l'OEA, incluant les États-Unis. Donc, Haïti lui-même, dans le cadre d'appui, il a besoin de bon côté et pays, ça, spécialement les États-Unis, parce que nous connaissons, j'ai tension dans le pays, et un monde qui est président, normalement, a besoin de bois des bananes. Donc, le président Jovenel Moïse lui-même qui a besoin de bois des bananes. Et à un moment de la durée, il a fait fi de relation entre Haïti et Venezuela pour prendre position pour les États-Unis. Donc, automatiquement, et vous venez jouer un fonds Petro-Caribéen qui ne pourrait pas exister parce que, en bas, les États-Unis mettaient sous Venezuela, empêchaient un certain nombre de pays acheter pétrole dans le Venezuela. Et Haïti, y compris, pas acheter pétrole dans le Venezuela. Le président Jovenel Moïse lui-même était obligé de prendre position contre Venezuela. Ça peut suspendre la relation Haïti avec Venezuela momentanément parce que nous connaissons l'histoire Venezuela avec Haïti. Son bagage qui date de vieille date. Donc, ce n'est pas un bon jour au président pour aller camper ou dire. Et on suspend toute relation. Et même si on président tout à fait, on dit et à la longue, il y a deux accords, il y a deux relations qui ont nué encore parce que l'histoire Haïti avec Venezuela, son bagaille qui y a un pile temps. Et si nous remontons dans l'histoire, on a comment Haïti a aidé Amérique latine, Amérique du Sud dans la bataille pour l'indépendance. Et Venezuela, il y a toujours exprimé gratitude face à mouvement ou bien action ou bien engagement Haïti te prend bon côté pour te aider au sorti dans colonisation pour te kavin indépendant. Donc dossier Petro-Caribéen dit juge l'a renvoyé by la Cour supérieure des comptes avec le parlement parce que d'après ça juge l'a fait quoi pas qu'il y a assez d'arguments, pas qu'il y a assez de preuves pour ta inculper une série de personnes physiques mais tout une série de personnes morales. Elle a parlé de personnes morales, nous voulons parler de entreprises, de institutions qui tenaient mission pour te gérer fonds Petro-Caribéen donc dossier ni envoyé dans la Cour des comptes et une bagaille important qui gagne dans ordonnance là ou bien qui dit dans ordonnance là c'est que demander la cour pour sortir arrêt de débat contre tout le monde état accusé dans malversation dans cadre dossier Petro-Caribéen. Donc nous pas veut rester trop c'est pour ça où nous t'a analyser avant donc n'a dit merci parce que tu prends temps pour t'aider nous et n'a dit à la prochaine pour une autre vidéo et avant d'aller m'a rappeler nous pas c'est Wilson Octavius et plateforme non souliance c'est tout haïtien collecté qui gagne pour SIG, tac 509. Donc, nous vous remercions parce que vous êtes de nous, on le fait encore. Et nous vous à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!